On est sur la route départementale 7 entre La Belle Étoile et Saint-Flavy. Donc c'est un chantier qui fait 10 km 200. C'est une route très fréquentée par les betteraviers. En période de betterave, c'est plusieurs centaines de semis qui passent. À force, ça crée un orniérage dans les accotements. Donc c'est pour ça qu'on fait un renforcement et un traitement de chaussée. Le chantier va durer 3 mois au maximum et on doit le rendre pour le 23 juin 2019. Le conseil départemental a lancé un marché pour refaire cette chaussée. Cette chaussée n'était pas structurée convenablement et pas suffisamment large non plus. Et la mettre en 12,5 tonnes l'hiver, redonner un peu de structure pour que les camions puissent se croiser plus facilement et rouler à une vitesse convenable et se rendre d'un point A à un point B sans avoir trop de problèmes. La plus-value et phage sur ce chantier, ça a été d'amener donc cette solution en gras vertal. On retraite des matériaux enrobés issus de la déconstruction de chaussées, notamment les chaussées du département, donc pour économiser des ressources naturelles. Donc il y avait aussi un enjeu environnemental derrière. Ça permet donc de revaloriser en fin de compte les anciennes assises de chaussées qui sont fatiguées. Ensuite, cette chaussée est repartie pour 25 ans de durée de service. Et pour ce chantier-là, donc on fait un apport d'agrégats d'enrobés. Ce sont des enrobés qui ont été fraisés sur d'anciennes chaussées. Et donc ces agrégats d'enrobés contiennent encore du bitume. Et lorsque l'on mélange à du ciment, eh bien donc on confère à ce mélange des propriétés assez intéressantes. Notamment, ça fait des matériaux mixtes qui sont à l'intermédiaire entre une grève hydraulique et une grave bitume. Les étapes du reconditionnement de chaussée, tout d'abord, vous avez donc le répondage du liant qui est fait avec un arc dosage. Et ensuite, vous avez donc la partie reconditionnement de chaussée. Tout d'abord, vous avez un rotor de décohésionnement de chaussée avec 224 dents en tungstène. Puis ensuite, vous avez un malaxeur qui permet donc de mélanger l'ancienne chaussée avec du ciment, du liant hydraulique et puis de l'eau. Et ensuite, vous avez une vis de répartition à l'arrière de cette machine qui permet de régaler en fin de compte le matériau. Puis après, vous avez les opérations donc de compactage et de réglage. La solution apportée par Eiffage est importante pour nous puisque nous retraitons des déchets de chaussées. Au niveau écologie, au niveau impact environnemental, c'était très important pour nous. Et au niveau tarif, on rentrait plus que dans le budget puisque ça nous a permis de faire des économies. Donc l'argent du contribuable est important à nos yeux aussi. C'est pour ça que la société Eiffage a réussi à avoir ce marché.